Pendant l'été, en 1888, Bertha Benz, oui oui, cette Benz-là, fut la première personne à parcourir un voyage longue distance avec une automobile. Elle devint par la même occasion la première personne à tomber en panne de carburant. Si sa monture avait été un cheval, elle aurait pu s'arrêter à n'importe quelle écurie qui parsemait le paysage pour obtenir de l'avoine ou du foin. Mais ce dont elle avait besoin était du carburant pour voiture, et les stations-service n'avaient pas encore été inventées. Heureusement, les apothicaires, c'est-à-dire les pharmacies de l'époque, vendaient un produit dérivé du pétrole, l'éther de pétrole, aussi appelé gasoline ou ligroïne, qui était un détachant pour textile. Il se trouve que c'était aussi le carburant de la voiture de Bertha. Elle alla donc en pharmacie et put ainsi achever son voyage. Au fur et à mesure que les automobiles se répandirent, notamment grâce aux efforts de Bertha et de son mari Carl Benz, les pharmacies et autres magasins se mirent à vendre de la ligroïne et d'autres combustibles dérivés du pétrole aux conducteurs de voitures. Et ils en vendaient des quantités de plus en plus importantes. Et au début des années 1900, les premières stations essence véritablement destinées à cet usage furent construites. De nos jours, les stations essence parsèment le paysage et permettent à plus d'un milliard d'entre nous de conduire nos véhicules sur de longues distances sans crainte de tomber en panne de carburant. Et bien que les écuries pour chevaux existent toujours, elles sont en général dédiées à l'équitation de loisirs ou pour des niches professionnelles où les chevaux sont encore très utiles. De manière générale, la puissance des chevaux a été remplacée par les chevaux vapeurs. Mais il n'y a pas de raison pour que ces chevaux vapeurs n'existent que pour des véhicules brûlant un carburant. Il y a des automobiles alimentés par des batteries électriques, des piles à hydrogène et même par des systèmes à air comprimé. Parmi ces alternatives sans combustible de type essence, les voitures électriques sont les plus dominantes, avec l'apparition subite et un peu partout de stations de recharge. Il n'est pas très difficile d'imaginer qu'à un certain point dans un futur proche, les voitures électriques, ou des véhicules alimentés par une autre source d'énergie, pourraient prendre le dessus. Et les stations-service suivraient la trajectoire des écuries, avec des visiteurs qui ne s'y rendraient que pour des promenades de loisirs. Mais ne vous précipitez pas pour faire l'éloge funèbre des stations-service. Aujourd'hui, seule une voiture sur 200 est électrique, et une voiture sur 40, parmi les nouveaux véhicules achetés, est électrique, bien que ce ratio grimpe. Néanmoins, en considérant la relativement faible fréquence d'achat de voitures, on projette que cela pourrait prendre 20 ans avant que seulement un quart des voitures en circulation soient électriques. Et quand, ou plutôt si, une transition complète vers des carburants non dérivés du pétrole se produira, les stations-service pourraient bien toujours être au cœur de cette transition. Il y a un siècle, de nombreuses écuries finirent par se convertir en concessions et garages ou ateliers pour les nouveaux types de transport. De la même manière, nos stations-essence pourraient simplement se convertir en stations, vendant de nouveaux types de ravitaillement. En d'autres termes, le futur des stations essence pourrait bien être plus éclectique.